à toutes et à tous au sommaire de votre émission Kogoro Sport de ce samedi 1er juin de l'an 2024. Dans la rubrique Sport Actu Local, on s'intéresse au tournoi d'exhibition organisé par la Ligue Nord de mini-football. La compétition a démarré hier vendredi au Stade Omnisports de Parakou et se poursuit aujourd'hui samedi. Nous reviendrons sur le programme complet des rencontres de cette compétition, notamment ce samedi. Dans la rubrique Sport Actu National, il sera question de la 20e journée de la Super Ligue Pro au Bénin avec des rencontres palpitantes. Nous parlerons également de la grande finale de la D1 féminine entre Aïnovi et puis Elite AC de Parakou. C'était le dimanche dernier au stade de Grand Popo, victoire de Aïnovi au tir au but sur Elite AC de Parakou. Nous sommes sur le plateau avec l'entraîneur principal de Elite AC de Parakou, Saïd Fassino. Avec lui, nous allons décortiquer cette grande finale. Dans la dernière rubrique de cette émission Sport Actu International, on s'intéresse aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec les rencontres Bénin-Rwanda et le Bénin qui affrontera le Nigeria. Toutes ces rencontres se joueront en Côte d'Ivoire. Voilà mes sportifs, la chapande de cette émission Destination 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Retour sur ce plateau, place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans la première rubrique de cette émission, amis sportifs, je vous l'ai dit, on parle de ce tournoi d'exhibition de la Ligue Nord de mini-football. La compétition a démarré hier vendredi sur place ici à Parakou. Ce samedi, les rencontres au programme. Déjà à partir de 7h, de 7h à 8h, puisque les rencontres se jouent en 2 fois 25 minutes sur un terrain réduit. C'est pourquoi on parle de mini-football. On aura Atletico SA Asta FC, Entente FC ACMP, Olympique FC Atletico SA, toujours ce samedi, Susine Sunshine, voilà j'y arrive, Entente FC, Koburu Omnisport Renaissance FC, voilà quelques rencontres. On aura également Asta FC, Olympique FC, ACMP Sunshine FC, Renaissance FC Atletico SA, Calcio FC, Entente FC, Albarica FC et Calcio FC. OEUA d'Albarica, bien évidemment, contre Calcio FC. Voilà quelques rencontres donc au programme pour le compte de ce samedi concernant ce championnat d'exhibition, ce tournoi d'exhibition organisé par la Ligue Nord de mini-football sur place ici à Parakou. La grande finale se joue demain dimanche au stade Omnisport de Parakou. Place à présent à la deuxième rubrique de cette émission, Sport Actu National. Dans la deuxième rubrique de cette émission, Sport Actu National, on parle de cette grande finale de la première division féminine. Cette rencontre qui a eu lieu le dimanche dernier au stade de Grand Popo a opposé Aïnovi FC, leader de la poule A, à la formation de Elite AC, leader de la poule B. Score final au terme du temps réglementaire, un but partout, c'est Elite AC qui a ouvert le score dans les toutes premières minutes de cette rencontre et puis Aïnovi a égalisé sur coup franc. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final de Aurore Ligan. Et au tir au but, c'est la formation de Aïnovi qui l'a emporté face à la formation de Elite AC. Et c'est Aïnovi qui décroche donc le titre de champion donc du Bénin pour représenter le Bénin aux compétitions statutaires de la Confédération africaine de football. La compétition sera d'abord zonale pour déterminer quelle équipe va représenter la zone. Alors, nous sommes avec le coach Serge Fassino. Serge Fassino, bonjour. Bonjour, bonjour Camille. Bonjour, Serge Fassino, dimanche dernier, c'était
chaud, chaud au stade de Grand Popo. Votre équipe a été battue. On a lu assez de choses sur la toile. La première chose, c'était d'abord le déplacement de Elite AC de Paraco pour Grand Popo, de Ainovi pour Grand Popo, la distance. Mais avant de revenir sur tout ce qui a entaché cette rencontre-là, parlez-nous techniquement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette rencontre? Ah oui, et ce qui n'a pas marché, c'est mon milieu de terrain. Et comme nous, techniciens, nous n'allons pas parler comme les profanes. Exact. Dans cette finale-là, c'est mon milieu de terrain surtout qui n'a pas marché. Qu'il vous souvienne, hein, mon milieu de jeu, Gagnat, a été transféré en Guinée équatoriale. Si cette milieu de terrain talentueuse, technique, il a manqué donc quelqu'un qui pouvait garder le ballon. Garder le ballon, donner de bons ballons dans le dos de la défense adverse. C'est ça vraiment qui a manqué. Depuis, c'est pas pour ce match-là seul. Depuis la phase de match retour, depuis la phase de match retour championnat, que mon milieu de terrain Gagnat est parti. Parti en Guinée équatoriale, j'ai commencé par tâtonner au milieu de terrain. Vous savez, si vous avez seulement des brouillons au milieu de terrain, ça ne donne pas ce que ça va donner. Quand on parle de brouillons, c'est des filles de devoir. De devoir, qui récupèrent le ballon, les essuie-glaces, voilà, pour donner aux organisatrices, bien évidemment. Voilà, c'est ce qui m'a marqué vraiment au milieu de terrain pour ce match. Sinon, nuit et été, même si lorsqu'on parlait de défaillance arbitrale, s'il y avait quelqu'un qui pouvait déposer le ballon, donner de bons ballons dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense, on pouvait Caméo, malgré ce qu'on allait siffler. On pouvait passer. Le gars est le premier but, on a marqué un but. Contre son camp, elle ne pouvait pas refuser. Si on marquait des buts propres, elle ne pouvait pas refuser. Donc, c'est ce qui n'a pas manqué. Ce qui n'a pas marché. Voilà, on a vu dans le jeu que. Sur le côté droit, vous avez eu vraiment de la percussion avec Déborah qui était vraiment, vraiment très en jambe. Déborah Adéni, mais de l'autre côté, sur le côté gauche, quelques difficultés avec votre capitaine. On l'a senti en dedans. Vous avez dit au milieu de terrain, vous avez eu quelques difficultés, mais j'ai vu également des satisfactions à la personne de Souliat qui gardait bien le ballon. En attaque, j'ai vu Janice qui vraiment, vraiment, vraiment arrivait à protéger bien le ballon, à conduire bien le ballon. L'un mis dans l'autre, il y a eu des satisfactions malgré quelques ratés. Oui, Déborah, c'est l'infatigable Déborah. Mon côté droit, quand nous jouons, je dis souvent que c'est mon côté droit qui est le plus fort. Et Souliat, c'est une vieille de la vieille, je vais dire. Elle a fait son travail, c'est un milieu défensif. Elle a fait le travail à récupérer les ballons et à donner. Maintenant, il fallait un meilleur de jeu, comme je l'ai dit, à qui il faut donner avant de relancer. Le meilleur défenseur ne peut pas prendre le ballon et balancer en même temps. Le côté gauche, les centrés gauche, le capitaine, depuis quelques matchs, elle est en dedans. Il ne faut pas se leurrer. Une fille très talentueuse qui a de la capacité. Elle a du talent, elle joue pied gauche, pied droit. Je ne sais pas quel pied elle joue. Elle est internationale. Mais l'amusement, est-ce que. C'est pourquoi je suis là, ce que je sais faire pour gagner ma vie, et si je ne veux pas le faire bien. Qu'est-ce que nous reprochons à Kadi? Kadi, c'est pas. Elle a été en équipe plusieurs fois, donc c'est une intéressante béninoise. Oui, oui. Mais. Elle est déjà expérimentée. Ces derniers temps-là, elle est en dedans, je vous dis, même aux entraînements, c'est pas ça. En deuxième partie, je l'ai recentrée au milieu de terrain, croyant qu'elle pouvait même apporter quelque chose au 10. Bon. Vous savez, le football, dès que vous vous amusez avec lui, n'importe quelle activité, dès que vous vous amusez avec cette activité-là, elle vous laisse. Je ne veux pas, c'est pas parce que le capitaine que je ne veux pas lui dire ce qu'il faut. Je lui ai dit ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Il faut travailler individuellement. Il ne faut pas attendre seulement ce que l'entraîneur va venir faire en deux heures de temps ou en deux temps. Non. Kadi manque un peu de travail individuel. Si elle m'entend, est-ce que je peux lui dire, et si elle veut vraiment retenir l'équipe nationale, il faut qu'elle travaille physiquement. Et individuellement. Vous avez vu ce débordement de Debo,
elle l'a fait tout au long du championnat. L'année passée, elle était ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. L'année passée, elle était en dedans parce qu'elle était élève en terminale. Elle ne s'entraînait pas. Cette année, elle va depuis. Cette année, elle vient à tous les entraînements. C'est l'un des points forts de l'attaque. Elle a donné. Malgré sa taille, son physique. Son physique. Elle a été très maigre. Elle a donné de fil à retordre. Je crois que si les deux côtés marchaient comme ça. On ne pourrait pas entrer de vie. On a perdu. Elle a donné de fil à retordre, cette latérale gauche là, à Inovi. Donc, regardez cette faute flagrante qui a été commise sur elle. Cameroun était déjà à 1-0. À la 10e minute, déjà, elle était assez menée à 1-0. 20e minute, faute flagrante sur Debo. Un débordement. Regardez, c'est Debo qui a, regardez encore l'image, c'est Debo qui a touché en dernière position le ballon. Oui, les téléspectateurs de Kourou TV ont l'opportunité de suivre la vidéo et de voir cette séquence. Et sur cette action, vous savez que Oro a sifflé Corner. Corner, c'est Debo qui touche le ballon. Si tu ne suis pas faux, c'est un 6 mètres. Ou simulation, carton jaune pour Debo. Très bien. C'est dommage. Football, alors quand on prend toujours, avant de revenir sur ces faits de jeu là, quand on prend toujours l'aspect technique, on a vu au tir au but que trois filles de Elitasi ont raté les tirs au but. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas préparé ces séances là psychologiquement? Parce que moi j'ai vu, pour ceux qui n'étaient pas grand propos, moi j'y étais, j'ai vu la dernière séance d'entraînement, la reconnaissance même de la pelouse le samedi, vous avez fait les séances de tirs au but et j'ai vu plusieurs filles ont marqué. Le gardien a fait des arrêts également. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le jour la seule où vous avez préparé cette séance? Non, on ne peut pas élever son chien à la fête de la chasse. Non, on a commencé par préparer cette séance de tir au but depuis deux semaines, qu'on savait déjà qu'on devait jouer cette finale-là. Et on a fait plus de deux semaines d'entraînement ici avant d'aller à Brown pour Cameroun. Lorsque vous jouez un jeu, au football surtout, et vous êtes frustré par le maître, par celui qui devait être neutre. De frustration en frustration. Même toi, garçon, ça te trouble. Encore que c'est des filles. J'ai désigné mes meilleures tireuses de tir de pénalty. Les meilleures? C'est les meilleures tireuses de pénalty. Tu as vu comment? Elles sont troublées, ces filles. C'est à la mi-temps même que je vais remonter le moral. Il y en a qui estiment que le coach n'a pas su remonter psychologiquement le moral de ses filles. Il n'y a pas un travail psychologique qui a été fait, tout et tout. Vous avez vu, lors des désignations des cinq qui vont devoir tirer, je suis monté sur le terrain. J'ai dit ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai demandé d'abord les volontaires. Et elles se connaissent. Lorsque j'ai eu trois volontaires, j'ai ajouté deux autres meilleurs. Et je leur dis, pas de pénalité en l'air. Vous avez vu ce qu'elles sont allées faire? Leur moral est sapé. Ça, moi-même, j'ai été surpris. Elles aussi ont été surprises. De le lundi matin, du matin de, dans le bus, du matin jusqu'à. Je me suis encore rappelé de celles qui ont tiré. Elles ont dit que. Elles ne savent pas ce qui s'est passé. Vous savez, le malheur ne vient pas seul. Le malheur ne vient pas seul. Dès que vous êtes déjà poursuivi par le malheur, grand malheur, c'est arrivé. Certains disent sur certains réseaux que c'est quand même au tir au but 3-0. Mais lorsque vous avez sapé déjà fortement le moral de toute une équipe, de tout un peuple, alors c'est grave. Là, c'est une épreuve de nerfs. Les tirs au but, si vous n'avez plus vos nerfs en place, vous pouvez. Lorsque vous taclez par exemple les filles d'Aïn, on tacle les filles d'élite. Et on siffle encore contre l'élite. Les images sont là, les images sont en 10 secondes. Lorsqu'on tacle une fille d'élite, regardez même l'action au milieu de terrain qui a amené le débordement de Debo. Il y a une faute là. On a taclé Janice qui est revenue chercher le ballon, mon attaquant. On l'a taclé. Elle laisse jouer. On a chance que le ballon a échappé à celle de l'élite qui a pris le ballon. Et c'est sur ça qu'on a dépensé de tenter à faire une traversée pour Debo. Lorsque c'est comme ça, ça fuse. De frustration en frustration, la faute qui amène l'égalisation. Voilà, il n'y avait rien aussi dessus. Vous avez vu, les images sont là. Elle a sifflé, elle met le ballon sur la. Je voulais souligner ça. Elle met le ballon sur la ligne de but, le grand cadre. La ligne de grand cadre fait partie du cadre. Exactement. Si elle estime que la faute a eu lieu sur la ligne, c'est un pénalty. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait. Elle était en mission. Dommage. Les deux touches. Je ne suis pas xénophobe, mais les deux touches qui sont du Nord, qui pouvaient peut-être corriger l'injustice, ont abondé dans le même sens que cet arbitre-là. Djaria Bagana et puis Tranquilly Nessé. C'est dommage.
on ne peut pas acheter, on ne peut pas une finale. Si ce n'est pas le championnat truc, là d'accord. Une finale où tout le monde a les yeux, une finale où tous les yeux sont rivés sur cette finale-là, on vient faire ce qu'on veut. Nous voyons les gens de la fédération qui sont habillés. Ils sont habillés, portés le même maillot que les filles de. Les filles d'Ainovi. Le bus de la fédération Bénin de football, c'est ça qui a amené les supporters d'élite et d'Ainovi au terrain. Nous sommes où? Mais il fallait donner le titre en même temps à Ainovi depuis qu'on a fini. Qu'il faut qu'il y ait cette finale là. Il y en a qui estiment également que Ainovi a parcouru moins de 90 km pour être à Porto Novo. Parce qu'Ainovi, on parle de Ainovi de Porto Novo, mais Ainovi est à Porto Novo. Et Elite qui parcourt plus de 300 km. 400 km. On quitte Paracou pour Grand Popo. Pour Grand Popo. Ainovi quitte Cotonou en moins de 2 heures du temps pour Grand Popo. Cameroun, si nous voulions que notre football évolue au Bénin, que nos équipes ne soient plus éliminées lors des préliminaires. Il faudrait que nous ne donnons plus le titre de champion à qui on veut. Il n'y a pas cette équipe béninoise qui a déjà franchi le premier tour des compétitions africaines. Si ce n'est pas l'auto, vous vous rappelez Esaü. Esaü, Esaü méritait cette qualification-là. L'année passée, on a fait tout pour donner le titre. Je lui ai dit, je sais de quoi je parle. On avait tout donné le titre à Sam Nelly. Sam Nelly a pris des tonnes de buts au préliminaire au Nigeria. L'année passée, on a fait tout pour donner le titre à Espoir. Espoir est habillant, c'est des tonnes de buts qu'on a ramassé avant de venir. Non, on ne va plus faire de la promenade, normalement. Le football a tout évolué. Et le football féminin, quand je le regarde, c'est passionnant. Les filles, on a fait d'efforts, nous encadreurs. Et dirigeants de club ont fait l'effort pour que les filles aient ce niveau de au football. Il y a eu un progrès. Dans mon équipe, j'ai 22 joueuses. J'ai moins 15 béninoises. Ce n'est pas comme avant où c'est des Nigériens, mais les Togolais gagnaient seuls. Et les internationales. Les internationales. Donc nous avons déjà fait un effort. Il faut que les gens nous laissent à finir cet effort-là. Sinon, le travail sera biaisé, les filles seront découragées, le moral sapé, on ne pourra plus continuer. Certains parents peut refuser à la fille avec ce qui s'est passé là, de dire, vous dites, on ne va plus faire le football. C'est tout pour le football béninois. Alors, coach, après tout ce qui s'est passé, quel travail vous avez fait? Oui, ce qui s'est passé, après tout ce qui s'est passé là, j'ai quand même incriminé mes filles lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel. Comme je l'avais dit tantôt, je leur ai dit, nous avons eu certaines occasions. Nous sommes arrivés à aller jusqu'au tir au but. Nous avons fait des séances de tir au but sur des séances. Si on marquait, est-ce que l'Europe pourra refuser? On a marqué but dans le jeu, est-ce qu'elle a pu refuser? Si c'est des buts francs. Donc, c'est par là que j'ai commencé d'abord, avant de maintenant. J'ai joué un rôle de psychologue avant de venir maintenant. Peut-être travailler ce qui n'allait pas dans la tête. Je leur ai dit, ce n'est qu'un travail de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu peut-être. Ramener la balle à terre, même moi-même, Camilo. J'ai joué, je ne vais pas compter les années en forme de formation et de l'industrie. J'ai fait 10 ans de football dans les buffes. Je n'ai jamais pleuré sur un match. Mais ce jour-là, j'ai coulé les larmes. Ça ne m'est jamais venu. J'ai coulé les larmes parce que ça là, ce qui s'est passé là, il faut que les gens soient là pour savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'on parle, les gens croient que c'est sur le pénalty. Non. Il fallait être là. Il n'y a pas eu de faute sifflée en faveur de l'élite. Il fallait être à Grand Popo. Si Europe pouvait me prendre le ballon, mettre dans les filets, j'ai dit ça, si on ferait les gens, oui, elle allait le faire. Elle pouvait. Comment d'abord, l'équipe adverse, Aïno vient en orange noir. Europe se met aussi en orange noir. Comme s'il n'y avait pas eu une autre technique. Il y a eu une autre technique, les gens lui ont reproché ça. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a porté orange noir. Donc, j'ai fait ce travail de psychologue là. J'ai ramené le moral de mes filles au bon niveau. Déjà au retour, dès qu'on a pris le bus, déjà même la veille, on est sorti, resté devant l'hôtel pour prendre quelques sécurités ensemble et elles sont revenues en elles-mêmes. Parce que ce qui lui est arrivé là, si on ne fait rien, ça va les affecter, ça peut les traumatiser. C'est pas préparer une finale. Nous, on a été déjà premiers depuis le premier tour, les phases allées du championnat, on pouvait être finale depuis. Alors qu'à Ainovi, c'est lutter. Si vous avez vu de l'autre côté, comment ils ont l'équipe là a gagné les matchs aussi. C'était comme ça. Nous avons tout fait pour préparer cette finale-là des mois à l'avance. Et
Je invente, je ne vous souffre rien. Vous savez que le dernier match, je suis allé suivre. Je savais comment l'équipe là jouait. J'ai mis donné des consignes à mes filles. Elles ont respecté, vous avez vu. On a été. J'ai dit à mes filles que les deux flancs de Ayinovi vont vite. Technique aussi. Vous avez vu. Si c'est une, que si une seule action au Saint-Thé a été débordée, ma défense centrale, impeccable. Je lui ai dit chapeau. Gadidjate Nourat, Nourat en, place, en place vraiment. Et c'est cette faille seulement au milieu de terrain, c'est une faille. C'est celle qui allait garder le ballon. J'ai fait avec celle que j'ai au milieu de terrain. Celle qui allait garder le ballon qui manquait. Sinon, si on les gagne dans le jeu, Oro ne pouvait pas refuser. C'est ce que moi je me reproche, ce que je reproche à mes filles, c'était ça. Mais celui qui a joué une fois au football, lorsque vous allez être frustré, le moral est sapé, vous ne pouvez plus rien faire. Répétez finalement. Félicitations donc à Ayinovi, du courage à Elite AC, du courage aux dirigeants de Elite AC de Parako, à commencer par le président Aminu Sidi Ali, au vice-président Tajuddine Omar Adam Mokhtar, au directeur Lafia Simé. Ils sont bien nombreux, tous ceux qui ont mis du sien pour que ce club-là, cette équipe-là, soit à ce niveau. Du courage à vous. Amis sportifs, on parle à présent de la 20e journée de la Super League Pro. Les rencontres démarrent aujourd'hui samedi avec déjà Dragon de l'UME, Dynamo d'Abomé à 16h, Espoir de Savalou, Sobemap FC, GSP Lotopopo, Requin de l'Atlantique, Cavalier de Niki, suite et fin de cette 20e journée demain dimanche 2 juin de l'an 2024 avec Aspak Banigansé, Dadier FC Ayema, Dadier FC qui ne va pas recevoir du côté d'Aplaoui, mais du côté de Kovin parce que le match est délocalisé. Damissa FC Coton à huis clos, Andali et puis Takune qui reçoit AS Cotonou au stade Saka Kinagezere de Kandi. On fait place à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International. Dans cette rubrique avec le coach Serge Fassino, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin qui affronte le Rwanda et le Nigeria dans le cadre de cette 3e et 4e journée. Les deux rencontres vont se jouer au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire puisque le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou est suspendu. Serge Fassino, le Bénin qui affronte le Rwanda et puis le Nigeria dans le cadre de ces éliminatoires. D'abord, est-ce que c'est un handicap de ne pas jouer à domicile? Oui, un vrai handicap quand même. Dès que tu es chez toi, tu maîtrises les coins et les recoins de ta maison. Donc, tu rentres chez une autre personne et que tu veux recevoir des invités, il va te manquer des choses. C'est la même chose au football. Malheureusement, notre stade a été déclassé par la FIFA, la CAF. Aller jouer en Côte d'Ivoire, c'est un handicap. Nous serons d'abord dépaysés. Même si le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des peu frais, on ne peut pas avoir le soutien des supporters comme si nous étions au Bénin. Donc, c'est un vrai handicap. Maintenant, revenons au match. Le Rwanda, c'est une équipe, ce n'est pas une foule de guerre. Le Rwanda est plus là. Nous avons demandé simplement à ces guépards là de faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils savent faire. Et je vais tirer chapeau donc à l'entraîneur qui a commencé par rajeunir l'effectif. Rajeunir l'effectif. Et appeler ceux qui jouent. Oui, en club. Si vous êtes dans une équipe où vous êtes sur le banc, il a fait dans sa conférence de presse, il a souligné, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas venir. Il vaut mieux de ne pas appeler même quelqu'un qui joue au Bénin, qu'il appelle un professionnel. Qui ne joue pas? Le football, oui. Le football, c'est la routine. Avoir le rythme. Avoir le rythme. Si vous ne jouez pas, vous n'êtes pas sûr de faire un bon match. Mais s'il y a donc Agaray Toro qui a compris ceci. Voilà, Guernot Roy également, comme vous l'avez dit, a fait deux belles rencontres lors des fenêtres FIFA contre la Côte d'Ivoire, ce match nul, et puis contre le Sénégal, la défaite face au Sénégal, in extremis, face au Sénégal. Le Sénégal a battu le Bénin 1-0, pénalty de Sadio Mané. Est-ce que vous pensez, Saïd Fassino, que déjà, on peut se servir de ces deux rencontres comme levier pour affronter valablement le Rwanda et puis le Sénégal et oui. le Nigeria. Oui, contre le Nigeria, ça c'est un peu difficile, mais on ne change pas nous qui gagne. Je voulais dire à Garnet Oro de continuer dans cette lancée-là, sur cette lancée, et de faire confiance aux équipes qui ont joué ces deux matchs-là. Oui, on a le terrain jeune Dodo Doku, Imran Hassan, voilà, et puis Junior Laïtan. Le football se joue entre 17 ans
et 28 ans ou plus, 27 ans ou 28 ans. À l'âge là, c'est l'âge du football. Le reste, c'est l'âge de l'expérience qu'on joue. Donc, oh, ces matchs là, c'est des matchs qu'ils ont préparé une semaine ensemble, c'est pas ça. Donc, il n'a qu'à faire confiance au noyau. Il doit ressortir au plus vite un noyau et lui faire confiance. Et ça pourra marcher pour lui. C'est jouable ces deux matchs. Mais face au grand Nigeria, on ne sait pas ce qui va se passer. Contre le Rwanda, c'est prenable. Voilà, contre le Rwanda, c'est prenable si vous étiez à la place de Guénon face au Nigeria. Parce que le Nigeria, je vais mettre une équipe qui va me de défendre et de rebondir, passer par les contre-attaques. Le Nigeria a une attaque de feu, même si Osimhen ne va pas venir. Oui. Et puis il y en a qui peuvent le remplacer à Déboula Loupal. Donc, je vais dire simplement, lorsque je suis face à un grand, je mets un système défensif en place et rebondis sur des contres. Voilà, amis sportifs, c'est la fin de cette émission. J'étais avec le coach Serge Fassino. Derrière la caméra, Koita Bertrand. On se retrouve le samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kourou Sport. D'ici à là, portez-vous bien.